Salut tout le monde, c'est Zachary et bienvenue sur GTA Tonal. Donc la dernière fois, on s'arrête ici, cette partie de Tu Amigo. Donc la dernière fois, on avait volé les 20, on avait fini de voler les 20 magasins, ça a été long, mais on l'a fait. Donc à mon épisode là, là c'est sûr, c'est pour ça que je peux tourner de la route de la fortune, donc on va commencer par ça. Ok, la dernière fois, il me restait 39 minutes, maintenant je peux. C'est la même journée, hein. Je viens toujours de finir mon autre vidéo en passant, que j'ai fait d'avance, ceci c'est la même journée. Mais bon, elle par exemple, elle va être moins longue que mon autre vidéo que j'ai fait, d'accord? Cette vidéo là va être clairement moins longue. Je vous promets. L'autre, quoi, je dirais presque 42 minutes, 44? Non, 46 à peu près, 46 minutes. Elle va être moins longue, vous allez voir. J'ai au moins fini de voler tous les petits magasins de banque là, les bijouteries là, mon autre épisode là, ben moi, je l'ai tous les volé à le même épisode, quoi, ça c'est déjà tout fait. Là je n'arrête pas de déraper, c'est à cause qu'il mouille, bordel de merde. Là c'est Simon, il m'appelle à mon épisode là, j'avais lui la réponse, il a juste pas qu'il m'appelle à mon autre épisode vu que c'était trop concentré sur les mini-banques. Ça fait, il m'a pas juste appelé une fois en pensant, hein. Quand j'ai fait mes coups de dos, il arrêtait pas de m'appeler en gros des journées, donc c'est sûr à 100% qu'il va finir par m'appeler à mon épisode là, alright. Le prochain coup qu'il va m'appeler, je lui réponds. C'est pas moi qui va m'appeler à mon épisode là. Après ça, je peux m'acheter des appartements. Ça va être nice. Vécu, il est encore là. Il m'en rappelle là. Dans le début de mon autre vidéo, j'avais laissé là-bas mon véhicule. Et ben il est encore là. Aucun joueur est venu le chercher. De toute façon, c'est un véhicule moche, donc c'est tout à fait normal que personne ne veut. Là, j'arrête pas de déraper, voyons donc. Voilà, ouais, j'en ai rendu. Là c'est sûr à 100% que je peux tourner la roue de la fortune. Imagine le véhicule du casino à ma deuxième tournée de roue de la fortune. Imagine. La première fois j'ai tourné la roue de la fortune, est-ce que c'est... Ah oui, c'est vrai. Me semble que c'est un vêtement que j'avais gagné. Putain que les vêtements c'est... J'ai pas gagné les vêtements. C'est la pire chose qu'on peut gagner, c'est le vêtement. Ouais, qu'est-ce que c'est jamais où c'est le... Les prendre donc. Donc voilà tout, hein. Mais quand même beau le véhicule du casino, je l'avoue, là, il est quand même beau, hein. Bon, je vais tourner la roue de la fortune. Ouais, tantôt il reste 39 minutes, hein. Maintenant on peut. Hop là, bon, qu'est-ce que je vais gagner d'intéressant? De l'argent. C'est quoi, 20 000? Non, 40 000, ok, bon, 40 000. Bon, c'est pas mal, j'ai quand même gagné 40 000 d'argent. Bon, c'est beaucoup plus mieux que gagner un vêtement, n'est-ce pas? Bon, maintenant on va voir qu'est-ce qu'on peut faire à mon épisode là. J'ai rien de planifié pour l'instant, mais on va peut-être attendre l'appel de Simon ou il va faire l'émission de la mare que je pourrais peut-être faire. Peut-être que l'émission de la mare. Vous savez quoi? On va aller faire l'émission de la mare. Let's go! Mais what? Pourquoi t'as pas de l'autre côté, mon frère? Ouf. C'est stupide, oui. Bon, on va commencer l'émission de la mort. Ok, d'accord. C'est... c'est pas mon véhicule, mais c'est pas mon véhicule, voyons donc. Voilà, on va voler un autre véhicule, qu'on dirait que mon véhicule que je suis venu au casino, il a disparu. Donc on va voler juste un autre véhicule. Bon, il y en avait des plus beaux là, mais bon. Hop là. Donc voilà, on va aller commencer l'émission de la mort. Pourquoi pas? L'émission de la mort, par exemple, il faut attendre des joueurs là. Eh bon, vous êtes pas qu'il y aura des gens qui vont venir, hein. On va aller juste mettre un petit point juste ici. Voilà. Et on va commencer l'émission de la malle. Et
Les missions de la mort, ça peut... il y a 8 missions de la mort, mais ça peut... C'est sûr, je les finirai pas les 8 dans mon épisode là. De toute façon, oublie ça, je serai jamais capable, hein. En plus, les joueurs qui quittent en longueur de journée, là, et faire les 8, là... Ouh là là. Mais bon, faut se préparer parce que les joueurs quittent en longueur de journée, donc... Ouais, ça se peut que je prenne 10 ans à terminer la première mission de la mort. Apprends à conduire, maudit policier, frère! Damn! Oh, je voulais pas avoir les flics, parce que vous avez cette année, ils ont mis les flics, là! Oh, bagarre, je peux pogner la figurine, qu'il y a une figurine du style. Voilà. On va attendre que la maman appelle. Voilà. Hey, you there? Hey, man, y'all ain't the first person I come to, or the second, or the sixth. But opportunity's knocking right now, and opportunity's name is LD. Come on over to Benny's Original Motor Works, and I'll lay it out for you. Bon, voilà, donc on va aller commencer la première mission de la mort. Là, en sens, je dois sommer les flics en restant pour rentrer dans la mission de la mort. Je crois pas rentrer comme ça, je pense. Je tente le coup, mais je pense pas que je vais pouvoir. Hein. Vous devez sommer les flics avant de parler à la mort, c'est ça. Je dois sommer les flics. Je voulais pas avoir les flics, c'est ça le problème. Ils m'ont obligé à les avoir. Mais bon, moi, il n'y aura pas les écouteurs qui vont bosser, là. Je pense qu'on va aller jaminer chien avant de commencer à me sortir de la mort, hein. Ouais, let's go, on va aller jaminer chien. Il y en a un juste à côté, pas loin, hein. Pas loin, ouais, c'est ça, juste ici. Voilà. Fait que ça irait mieux pour ceux les méchants à me sortir de la mort. Une sorte que j'ai pensé pour vrai, balle. Fait que, ouais, ça irait beaucoup mieux avec des balles dans le gun. Ok, super cool les appartements. J'ai eu peur en train de passer 30 secondes que c'est mon micro qui était tanné de m'appeler et qui était tanné que je la raccroche. Mais j'espère qu'ils vont quand même me rappeler. Ça m'a fait peur, putain! Mais c'est juste pour les voitures de son garage, là. Bon, on va laisser une mitraillette. Voilà pour l'instant. Pistolet aussi. Voilà, quelques balles de mon pistolet. De toute façon, j'ai beaucoup trop d'argent. Bon, il y a beaucoup d'armes bloquées. Bon, ça aussi, voilà, c'est plein. Voilà quoi. Bon, là j'ai assez d'armes pour l'instant pour faire la mission de la mort. Let's do it, the boys. On y va. Mais pour le vrai prochain coup, que Simon m'appelle, là je l'appelle, ok. Je l'appelle. Je réponds. Qu'est-ce que c'est là, voyant donc. On va aller voir notre cher ami Lamar. On va bien prendre la conduite aussi. Bon, au moins l'émission de la mort, ça va être plus le fun. Pas l'émission de la mort que pas les petits braquages. Bon. No offense, man. I ain't talking about you. I ain't talking about you. That's a fucked up metaphor, man. Come on in here, man. The point is, man, your boy LD is about to become King LD. Yeah. Old school OG, new wave, big dog, sneaky motherfucking king of the castle OG. That's who you looking at. And you, you one of the knights of my round table. A serious knight. And this here, this is some mythical motherfucking shit, man. Only in this version, the dragon driver, low rider. We about to peel his bitch ass for him. And you know what? He ain't even no dragon. He's a bitch. And we gonna spin his beak so fast, he won't even know what hit him. You feel me? Damn, I should write these metaphors down. You boy a straight poet. Hey, you know my boy Benny?
That's my boy Benny, man. He does the best work. Benny, what's happening, pimp? That boy go hard. Hey, look, man, if you like that old school shit, that real shit, and not that new school plastic bullshit, you know I'm talking about that Los Santos classic shit, man. The most beautiful work you've ever seen, then that's why he like me. Because I'm just like that. Classic, beautiful, and imperial as a motherfucker. Man, I'm kind of lyrical, dude. Like Caesar, a writer and a fighter. Talking all this old school shit, look, the whole move relies on the fact that the Ballers and the Boggles got a whole lot of OGs that care way too much about flossing their lowriders than they do about paying homage and secret respect to yours truly, you feel me? So we gonna show them bitch-ass niggas the error of their ways. We gonna slowly and methodically re-educate them punk motherfuckers. I mean, who don't love a lowrider? We all love lowriders, but personally, I love me more. So with that being said, we gonna confuse the fuck out they ass. And assuming that you're confused right now might mean we on the right track. You confused? Whatever. Come on, just get moving. Look, leave the serious thinking to me, man. I know you can't think that fast. Years of smoking Sherman turned my brain to a Pentagon computer. Check this out. You're going to need some of your friends. You know I love you, but you're going to need some of your friends. Three should do. So go and hook that shit up. I'm going to be right back. And don't you go changing on me. Don't you do that shit. Ok, il va falloir attendre 3 autres joueurs parce qu'il faut être absolument 4 joueurs pour l'activité là. On va attendre les joueurs, mais j'espère que c'est moi qui est haute parce que moi je veux absolument écouter les cinématiques et c'est pas moi qui est haute malheureusement. Ok, c'est je suis haute donc on va éteindre la radio. Normal, c'est tout ce que je veux c'est radio. Voilà, éteint. On y va! Ok, moi je vais être haut parce que je veux absolument écouter les cinématiques. Ouais, mais bon. Donc niveau 4, niveau 1, niveau 43 et moi je suis niveau 6. Personne ne quitter, hein. Je vous le jure. Pourquoi il vient avec nous, voyons donc. My bad. Appelez. Ok, vous savez quoi? Je vais changer d'équipe. Damn, what's cracking, y'all? Man, I'm so glad you guys can make it. You know I love y'all, right? Hey, check this out, though. Is you down? I mean, speak now if ever hold your peace, man, because you be acting like a buster sometimes. Real shit. It's time, man. It's time to right some wrongs and to change history. Two of y'all? Y'all gonna go out on your Boggle shit and you gonna go spray some of them Ballers. And the two of y'all, y'all gonna go out on your Baller shit and chip some Boggles today. It's cracking. And you know, we about to kick off some pretty major beef in the city right now. You know how I love beef, nigga. I'm telling you, I'm a beefitarian, nigga. I love that shit. And you know what? After all this shit is said and done, after all the mayhem, it's gonna be one nigga stepping out of all the asses on the tin-top. And that's gonna be the tall, handsome motherfucker by the name of me. On moving gang, watch what I say. Hey, come here, man. Let me show you these hot ass whips I got for y'all. We got y'all smoking fools in luxury. They ain't have nothing like that for us when we was coming up. Now check it out. You two, y'all gonna get on your Ballers tip and go find some Boggles and smoke they ass in this Chino right here. Yeah, boy, look at that fly ass motherfucker. That's all engine. You can smoke some fools and get on. You feel me? Handle your business. And you two, I want you on your Boggles tip, right? And go straight down there to Covenant Ave in this Buccaneer right here. This motherfucker right here got plenty of get up. Smoke them fools and get gone, you feel me? I'm loving this shit, man. Lamar's revolution. Leadership with a friendly face. I kind of feel like a gang-banging ass cult leader. Like Jim Jones minus the fruit punch. Kill them fools, my son. Handle that shit. Love y'all niggas. Ok, alright. On y va les boys. On va faire la première mission dans la Mars. J'espère que personne va quitter que quand on est 4, c'est beaucoup plus facile qu'un joueur qui quitte que quand on est 2. Tu conduis la voiture? C'est nice. En passant, pour ceux qui ne savent pas, j'ai dû changer d'équipe parce que on était trop de joueurs. Not so simple that any of y'all dumbasses could have came up with it. Now get to it.
loud. Où il a débarqué? Ouais, tu ne vois pas moi lui? Ouais, c'est le nouveau 4. Bon, moi il est assez crispé avec moi. Moi c'est un niveau 6, mais je suis fort. Ok, c'est bon. Ça l'a pris 10 ans, il est tué, moi, il est Et les autres, au moins, sont quand même des gros niveaux 20, ah, niveau 20 puis niveau 44. Bon. Bon, je sais pas s'il peut être fort. Non, ça en est déjà toute mort. Ok, les autres ont déjà la même place que nous, alright. Moi j'ai pris mon petit raccourci, n'est-ce pas? Allez, embarque mon coeur. Go, on y va. On va aller péter tout le monde là-bas, là. On fait l'équipe ensemble, là, maintenant. Okay.
Ouais, les autres, ouais, je sais pas, ils vont pas mourir. Attendez que votre équipe arrive chez Benny. Bah où? Ok, il arrive. Bon. C'est bien, ça a été bien, ça a été quand même rapide. Et ça a été quand même cool, ouais, je vous fais cette mission là, pour vrai. Tout allait bien, les trois joueurs qui étaient avec moi, tout était bien. Personne qui est mort. GG pour vrai. GG les trois personnes avec moi. Nice. Gonna go out and pull some murders in cars like that. Ha! Fools that know they working for the next big man. Ha! Frank and G gonna be laughing like a motherfucker when they find out this high-intense gangster shit we done kicked off. We out here gangbanging like it's 91. Niggas get laid down left and right. Streets covered with blood. And in the end, the only one to survive is the line sneaky motherfucker. And guess what? I plan on being that line sneaky motherfucker. That's leadership. I'm like a gangbang guru teaching you niggas the essentials to laying niggas down. You feel me? Hey, now go get you some rest, man. As a matter of fact, when you finish laying down, why don't you get you a nice little outfit for my coronation? Because we going places, people. Hey, go in there and check out that boy Benny. The boy's a magician. Donc, mission ici. Donc, on a fini la première mission de la mort. 15 020. C'est quand même pas mal. Oh oh, je suis rendu niveau 7. C'est un nice. Donc, je vais essayer de faire au moins la prochaine mission de la mort, parce que ça, je pense qu'on va s'arrêter là, right? Donc, j'aurai en fait les deux premières missions de la mort. Tout est tigidou qui finit bien. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je vais toujours attendre, à savoir que pour commencer une mission de la mort, je vais toujours la personne dans ses appels, là, mais c'est pas si grave que ça, c'est pas tant long, hein, attendre les appels de la mort. Puis aussi, à savoir qu'on finit une mission de la mort, c'est toujours long, l'écran que vous voyez dans ma face, c'est toujours long. Mais bon. J'espère qu'à la prochaine mission de la mort, tout va être tigidou comme à la première mission de la mort, hein. J'espère qu'il y en a au moins un entre les trois qui vont venir, ok? Il y en a qui est au niveau 6. L'autre... non, il y en a qui est niveau 4, l'autre niveau 20 et l'autre niveau 42, me semble. Faut que j'atteigne ces niveaux-là puis voir s'il y en a un entre les trois qui vont venir faire la mission de la mort, la prochaine mission de la mort, qu'il faut être au moins... Il faut être deux joueurs, il faut pas être quatre joueurs, c'est deux joueurs la prochaine mission de la mort. Et oui, c'est ça qui est ça. Puis là, je peux vous dire de quoi, c'est long. Mais bon, je vous l'avais dit que c'était super long. C'est toujours ça que ça fait, ça va cocher une mission de la mort, hein. C'est toujours long. Mais c'est pas si grave que ça, les boys. Oh, pour vrai, ça prend une éternité, hein, voyons donc. Ok, c'est bon, je pense que ça va être bientôt prêt, hein. So, first up, I should probably say, Benny can't do this on any old car. I only work on select makes and models. But the work speaks for itself. I'm always looking to expand, but this is where we're at for now. First step is getting it ready. We'll give you the basic build, and everything else can go on top. Can't do any of the other work without that rebuild. After that, it's whatever you like. Interior, exterior, popping the hood, working the engine, hydros, of course, opening the trunk, fitting it out. You'll have a lowrider in no time. Sound good? Get it right from the list and come on back. We'll fix them too, but it's expensive. You don't want to get in no fender bender. On peut aussi améliorer des voitures. Qu'est-ce que Benny a dit? Ben, qu'est-ce que le bonhomme a dit? On peut améliorer, venir apporter des voitures ici et les améliorer. Mais à ce que j'ai compris, c'est pas sur n'importe quelle voiture. C'est juste... bon, c'est pas sur n'importe quelle voiture, là. Mais bon, on viendra ici améliorer des voitures une autre fois. Mais là, je vais aller faire une autre mission dans la mort. Après ça, on va s'arrêter là. Let's go.
Oh, mais là, ça prend 10 ans, voyons donc. Honnêtement, je sais pas pourquoi. Ah, mais voilà. Bon, il faut juste que j'attende l'appel de la mort. Mais bon, c'est pas si long que ça d'habitude, hein. Ma voiture, elle est juste ici. Nice, nice, you. Vas-tu me dire à la prochaine mission de la mort que je sais que t'es à la plage, la prochaine mission de la mort, là? Ben, ou que les manèges, c'est tout ça comme ça. Je suis occupé à l'émission de la mort. What? Là, j'ai un petit peu peur. J'ai un petit peu peur. J'entends des boum boum à longueur de journée, là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un joueur qui va venir me tuer? J'ai un petit peu peur. Phase 2. We're hooking up on Del Perro Pier. Bring one of your little buddies. Oh non, puis je suis arrivé juste à temps. Il vient tout juste m'appeler, il m'a dit qu'on allait le retrouver ici. Allons-y les boys. Dans l'émission qu'on fait, on s'arrête là. Voilà, je suis haut, nice. Ça n'a rien dit, pas. Ah, c'est bon, j'avais passé, excusez-moi ma bad. Bon, d'habitude, c'est pas tant long avec les joueurs arrivent à l'émission là. Alors on va sauter sur ce panneau. On va attendre, moi je vais au moins faire la mission là. Ah mon épisode là. Voilà. Putain, c'est un gros niveau pour vrai. Hein. 169, c'est ceux qui vont quitter là, mais s'ils quittent pas, c'est ceux qui vont être fort. Hein. Mais je vous parie rien, il va quitter, c'est sûr. Je suis même pas surpris. Ça commence bien, il fait rien. Y a pas quitté. Hey, what's happening, loco? Hey, you know that dude Vernon from the OGs? You know what I'm talking about, the dude always fat-mouthing about the old days. Come on, man, I'm ugly-ass Vernon. Anyway, dude got wind that I was talking about my imminent promotion, right? And somehow thought that me being absolute ruler everywhere is gonna insult him. That's some bullshit. Look, man, we gotta send this dude a peace offering or something, man. And nothing says, I love you, Brother Vernon, and I thank you for your years of wisdom and guidance, but there's a new dog in town, like taking care of a man's legal problem. Come on, man, look here, the point is this. Look, this ain't even like no fucking job. It's like you're doing your boy a favor, man. Come on, man, all you gotta do is deliver the cars, and that's it. Relax, man, it's gonna be cool. Man, fuck, why y'all stressing me out? Come on, man, seriously, though. LD don't do stress, he do regalness like a real king. Now the cars is over there, dog. All you gotta do is get him and take him to this buyer he got that's gonna get him overseas before the motherfucking cops sees him for some totally unrelated crime that he allegedly did. And the key word is allegedly. Come on, man, it's nothing. It's easy, man. Shit. Okay, on est parti pour la mission. Jumping
I was flash, but the cops is looking for him like I'm really looking. If they even see your ass, we fuck. Faut pas que les flics nous voient cette mission, hein, me semble. Faire repérer par les flics, non, c'est sûr. Oh. Ok, t'es pas sérieux là. Elle est dure cette mission là. Fait qu'il y a toujours, au moins, l'autre jour qui t'a eu moi, il va toujours se faire repérer par les flics. C'est ça la difficulté de la mission. Voyons donc, my bad, I'm sorry. Bon, ça continue pour cette mission là, la vidéo va être longue aussi, hein. Oh là 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 là, mais c'est la dernière chose que je fais maintenant. Oh non, ok, c'est bon. Bon, en fait, t'as pas trouvé mon ref. Moi, je suis assez même pas quand même trouvé aussi là, mais... C'est dur, hein. Fuck! Ah tabarnak, mais oh putain! T'es pas sérieux? Oh my god, j'ai plus de force! Putain, j'ai plus de force! T'es pas sérieux là? Oh mon dieu, c'est la pire mission que quelqu'un peut jouer. L'autre coup d'avant, c'était même pas concentré, tabarnak! Okay. My bad. Dégage la colisse. Oh, putain. Change-moi de plan. Oh putain! Mais pourquoi le monde ne font pas exprès? On va le suivre à l'arbre. Oh là, il va se faire repérer. Ok, c'est bon. Pour l'instant, ça va bien. Pour l'instant.
un petit peu sans main. On se prend qu'on peut se rendre à l'eau plus là, en fait je l'espère. C'est bon, on a eu cette partie. La partie la plus délicate, mais on l'a eu. C'est la troisième. Ouais, c'est la troisième tentative, ça là. On l'a eu. On a formé ça qu'une fois parce qu'on l'a eu. Nice. Attendez que les acheteurs acceptent le marché et on va sortir le matériel qui va sortir les machins bonnes marchés. We have a witch there in like 2 weeks. Hey man, shit! The boss found out about the sale. They gonna boost the rides. Hey, you look wrong. Look at that guy. Hey, hey. 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 Man, get the fuck out of here with that bullshit! Y'all fucked up! Man, Bernie gonna be pissed! Fuck! Look, man, look, okay, I'm sure. You tried, and you failed miserably as fuck. But like a wise boss that I am, I'll forgive your bitch ass. Get the fuck out of here, man. Thank you for trying, man. I'll holler at you later, man. I'm about to go get some trees in. On a fini la deuxième mission de la mort. La prochaine fois, on va continuer la mission de la mort. Mais là, on va s'arrêter ici. Parce que là, c'est la première mission de la mort. On l'a eu facilement. Mais cette mission-là, j'ai dû la foirer trois fois. Non, deux fois. Ouais, j'ai dû la foirer deux fois. Et la réussir du troisième coup. Mais bon, donc, ok. Je vais enfin couper la vidéo. Si ça reprend du temps encore, dans le poids. Donc, ça doit bientôt être prêt que. J'ai quand même vu le chargement disparaître et réapparaître, donc ça veut dire que le chargement est bientôt terminé. Waouh! Ça a été, pour moi, ça a été deux grosses vidéos que j'ai faites aujourd'hui. La première vidéo que j'ai faite aujourd'hui, c'est voler les petits magasins et là, faire les deux premières missions de la mort et tourner la roue de la fortune. Là, ça a été long, maudit, putain! Oh, damn! Mais pour vrai, là, damn, ouais. Mais bon, donc, en tout cas, les boys, on va s'arrêter ici, on va se retrouver pour cette vidéo sur GTA Online. Bye!